Plim Soudo opposant aussi tout ancien premier ministre Claude Joseph qui n'a intervention dans le cadre sommet ça adressé un tableau noir coulant sous situation pays pendant pouvoir Ariel Henry plus passer 3000 monde mourir sans compter kidnapping grand goût misère et latrier ancien premier ministre réclamé un nouveau gouvernement transition avec une mission précise gain président parti politique Unil Clarence que noir qui croit rencontre ça c'est une grosse chance acteur ta doit profiter pour finalement jouer une solution cap en faveur pays d'Haïti n'a pas pris Clarence que noir dans le cadre sommet si là même position pour colonel Imler Rebu qui rappelait ça toujours rivé dialogue politique sur yon pays à qu'on a la discuté dans l'autre espace président parti politique Grandil souhaité crise là résoudre pour sortir pays en calamité lié journée jodi alors que Mopod continue à exiger un exécutif à détente comme solution à crise là porte-parole Mopod là André Raphaël dit espérer tout acteur a privé faire un sacrifice pour un pays gain professeur Charles Tadieu yon initiateur quoi 21 décembre qui quoi dirigeant CARICOM yo gen intérêt pour aider Haïti sorti dans crise liée journée jodi a d'ailleurs c'est raison ça qui fait yo prend initiative ça yon responsable parti politique RDNP dit pas bay importance à qu'un rencontre qui a fait à Jamaïque là c'est une initiative pour permettre acteurs politiques rassembler pourtant acteurs économiques yo deyo li dit la pillé carré barré position président ACT qui décliné invitation yo te fait pour te participer dans cadre forum si là. L'autre information n'a pas pour développer dans le journal la responsable initiative patriote marien qualifié illégitime déclaration secrétaire général Binu en Haïti. Ancien député à quoi pa département position un bon parti dans la communauté internationale là qui voulait écraser paysan pour ancien parlementaire Maria Isabelle Salvador vient continuer travail Hélène Lalim qui était là avant. Hier lundi 12 juin en fait police nationale à 28 l'année force police a été créée selon la loi 29 novembre 1994 créée organisation et fonctionnement PNH là dans l'idée pour protéger vie avec bien citoyen yo dans occasion de GAI PNH à CLB renouvelé détermination pour combattre grand banditisme sous toute forme. C'est pour ça que divers les autres qui parlent fait essentiel journal là matin rebranché n'a pas retourné pour nous capable porter tout détail pour suite après intervention premier ministre Ariel Henry Claude Joseph qui a fâché là nous va permettre de gagner résumé intervention dans pays Jamaïque Claude Joseph a dressé un bilan accablant docteur Ariel Henry dans pouvoir et puis exiger des palis dans cadre pour parler qui commençait depuis dimanche 11 juin qui a fini jeudi mardi ancien premier ministre Claude Joseph a dressé un bilan accablant de l'année Ariel Henry sous pouvoir leader parti politique engagé pour développement aidé et mandé pour que chef gouvernement capable démissionner pour faire place à une nouvelle gouvernance intérimaire avec objectif précis. Non, intervention Claude Joseph fait qu'on est Ariel Henry qui gagne presque deux années dans tête paysan, lui animer volonté pour le garder pouvoir en toute légitimité puis longtemps possible période gouvernance intérimaire là qui a commencé dans quelques jours après assassinat du président Jovenel Moïse 7 juillet 2021 constitué réalité de l'année recul pour nation haïtienne de l'année aggravation crise multiforme pays qu'on est sur le plan politique sécurité économique d'après Claude Joseph. Si Ariel Henry a vanté accord lycéen entre force vive nation, Claude Joseph fait qu'on est accord qui signé, c'est entre Ariel Henry et Zamil et puis allié politique li. Après deux années gouvernance intérimaire, Claude Joseph estimé personne moun pas en mesure pour dire qu'il a gagné élection dans pays. Situation déplorable ça pour pays non li favorable avec un seul bagay, c'est métier Ariel Henry sous pouvoir. Et ancien premier ministre Claude Joseph a dressé un échec puissant par rapport avec la gouvernance Ariel Henry. Li rapporté sous Ray Ariel Henry plus passé 3000 moun mouri 531 moun assassiné entre janvier et mois de mars ak plus passé 600 pour seulement mois avril bilan de l'année Ariel Henry faut nous ajouter plus passé 2000 enlèvements milliers moun qui violé multiplication massacre tout partout dans pays avec gang yo qui a gagné terrain chaque jour bon Dieu mettez d'après Claude Joseph qui participant évoqué nous Ariel Henry dans assassinat ancien président Jovenel Moïse ancien chef gouvernement dit noté pas yon moun ki inculpé ni voire même condamné en Haïti
dans quatre dossiers assassinat ancien président Jovenel Moïse. Nous pas qu'à espérer un dialogue constructif sans nous pas embrasser question justice pour président Jovenel Moïse. D'après Claude Joseph, qui croit aspect ça que question ça justifie nécessité pour refonder gouvernance intérimaire là. Avec inflation qui augmente 48.3%, 4.9 millions moun yo emploi, insécurité alimentaire aiguë, un goudlan qui passe suspend par chapelet dans mes dollars, pouvoir d'achat citoyen qui a chuté de manière significative. Claude Joseph croit et gouvernance intérimaire 2 ans l'année sous leadership Ariel Henry, li temps pour que Ariel Henry baille talon. Gouvernement transition ça pas qu'à continuer à jouer avec destin pays d'Haïtien et puis hypothéquer avenir plus passer 12 millions haïtiennes et haïtiens. Moi invite nous pendant assis ça pour nous prendre acte réalité objectif et bien pour nous tirer conséquences politiques par rapport avec tout argument ça yo d'après Claude Joseph pour capable jouer nos solutions avec situation ça. Claude Joseph quoi doit gagner un nouveau gouvernement pour leader parti engagé pour développement et d'un nouvelle gouvernance intérimaire ça doit nécessairement permettre avec Haïti pour capable jouer la paix puis pour trouver perspective démocratique li, avec choix un nouveau premier ministre constitution gouvernement consensus, augmentation capacité opérationnelle police nationale d'Haïti pour ramener l'ordre dans le pays, sollicitation renforcement appui technique opérationnel et financier communauté internationale by la police nationale d'Haïti, formation un conseil électoral inclusif, organisation référendum pour adoption nouvelle constitution et puis pour capable gagner élection générale en dans pays. Nous avons continué avec information. Gagné Clarence Renoir, qui est secrétaire général parti politique Union, qui lui-même tourne dans le pays Jamaïque. Quoi, rencontre ça, c'est une grosse chance. Acteur a de profiter pour finalement jouer nos solutions cap en faveur pays d'Haïti. En côté Clarence Renoir. La rencontre sur Haïti, c'est-à-dire que c'est Haïti qui a rencontré une crise politique qui est très grave et son opportunité, je pense que c'est pour Haïti pour nous capables de rencontrer ces choses nos solutions. Mais amusé par un texte, un titre dans le journal moi, ouais, et qui ça interpellé moi, qui dit la rencontre de la dernière chance. Donc nous pensons qu'effectivement, la rencontre ça, il y a une bonne chance, il y a une bonne opportunité pour que nous portions solution, nous commencions à porter solution à la crise qui est grave et qui demandait justement que les acteurs dépassent pour jouer une solution. Donc nous avons des personnalités de différentes tendances qui sont présentes là c'est et ça. Qui pas de cas fait dépassement en Haïti. Vous pensez qu'il y a un cas qui sont en Jamaïque? L'innécessaire. Si nous tendons que Haïti qui a battu, nous tendons que nous avons souffert. Il faut l'interpeller pour prendre des décisions extrêmement importantes aujourd'hui à là. Et heureusement que rencontre ça a gagné la dernière, une diversité d'institutions, de groupes, de personnalités, ce qui va la valeur qu'elle mérite pour que ce n'est pas une solution clanique, partisane, mais c'est une solution capable en faveur du pays en général. Même position pour ancien colonel Imler Rebu qui rappelait ça toujours il y a dialogue politique sur un pays qu'on a discuté dans l'autre espace. Président Grian dit souhaiter crise en résoudre pour sortir pays en calamité liée journée jeudi. Bon, je pense que c'est une très bonne idée. Malheureusement, nous n'avons pas d'intelligence pour nous faire ça nous-mêmes tout simplement en Haïti. Mais généralement, les grands conflits à travers le monde toujours jouent nos terrains extérieurs pour nous être capables de chita pour nous parler. Nous rappelons en Bosnie-Herzégovine qui j'en s'était passé, qui j'en s'était réglé pour l'Égypte et Israël dans le camp de vide. Donc c'est assez souvent le grand conflit, il est toujours très difficile à l'intérieur du pays même. Pour les gens qui ont des accords, joindre une ligne pour chita pour discuter. Et toujours un pays extérieur qui est intervenu, qui permet par exemple, ou après la fac colombienne, qui passait combien d'années en conflit interne, côté qui a pile en monde qui mourit. Mais c'est à Cuba où t'as réuni pour te joindre un terrain d'entente. Donc pas un lien du point de vue historique qui est anormal dans ce qui a passé. Il n'est pas anormal, mais il y a soit là-dedans, vous pensez? Parce que là, finalement, il y a des gens qui attendent. Après 3 jours, ça, il y a tant de seconde solution. Dès que nous avons une capacité pour une chita parler l'une avec l'autre, nous avons une capacité pour une faire concession pour l'autre. Parce que le problème qui est au niveau pays, il dépasse nous tous. Il y a plus de monde qui a perdu la vie. Qui a perdu bien, qui a martyrisé dans le sentiment humain, dans le corps, qui a une femme qui a violé. Donc, nous-mêmes qui sommes censés élite pays, il faut que nous ayons intelligence pour nous joindre une formule, pour nous solutionner le problème. Ça, pas apparemment, pas en surface, mais profondément pour nous ne pas retomber là-dedans. Parce que finalement, c'est toute force jeunesse pays qui a perdu, qui a sombré dans la violence. Regardez qui quantité de jeunes qui a suicidé tête qu'on y a en Haïti. Ce n'est pas ton cas que nous t'habituons. Cela est une situation d'angoisse que je n'ai. Et tout pays,
li repose sou force jeunesse, sou orientation ki sa nan tête jeunesse la. Donc nous même qui t'es passé avant, faut nous reconnaître erreur nous t'ai fait yo. Faut jwenn formule pour nous corriger yo, pour nous cap préparer des jeunes et des enfants qui plus solides mentalement pour faire face à défi k'ap gen pour venir dans pays. Après, m'a donné des questions. Est-ce qu'on l'a ou là comme évidemment haïtien, personne concernée, ou qu'on est comme personnalité politique, expert en sécurité et chef de parti, et vous invite à quel titre? Bon, moi, je fais partie du collectif du 30 janvier qui a 8 partis politiques là-dedans. C'est à travers Canal ça, et en tant que président Gré, mais très certainement en tant que citoyen haïtien d'abord, nous pas en position de choisir quand, qui pour, qui contre, parce que ni ça pour eux. Ni ça compte, il n'y a pas porté solution à problème réel population à vivre là. Donc, il faut que nous fassions un mélange de deux tendances pour nous joindre des solutions raisonnables à problème que la population a subi. Tout à fait. Trois thématiques, grandes thématiques, on nous dit dans trois jours de réunion ça. Bonne gouvernance, élection et sécurité. Vous pensez que nous avons besoin de nous, nous captons à ce que, après réunion ça, mes amis, sécurité a fait bandit à couper en Haïti, soit pensé. Vous êtes optimiste sur ça? Solution pour problème sécurité existait. Sauf que à ma connaissance, en 2 ans, ça me connecte à fait pour faire, j'aimerais un essai qui fait. Tu n'es pas obligé de réussir, mais c'est une faute de ne pas essayer. Or, jusqu'à présent, on n'a pas encore essayé ce qu'il faut essayer dans ce cas précis. Alors ce que Mopode continue à exiger un exécutif à deux têtes comme solution à crise là, porte-parole Mopode là, André Raphaël dit qu'il espère tout acteur a privé faire un sacrifice pour payer. Bon, nous-mêmes, alors, on a dit que le groupe a exprimé position. Exprimé position dans la crise là, et position chaque groupe a exprimé. Et nous-mêmes, dans mon pod, nous exprimons mes positions, nous, sur question gouvernance, non, et c'est ça, agenda ATL, et question insécurité, question gouvernance, pays, hein, et nous continuons à bataille sur question d'Adi, et question bicéphale, là, nous-mêmes, dans mon pod, nous pas négocier ça, et on l'autre leadership dans notre pays, hein. Nous croyons que c'est ça, on a continué de défendre. Et on l'État responsable, on l'autre l'État, et pour qu'il a créé espoir. C'est dans le combat ça que nous y au niveau du Mopode là, nan meeting, nan rencontre là. Nous tous connaissons position Mopode depuis plus passé de plusieurs années dans le pays. Et c'est ça, on a continué de défendre nous-mêmes. Question on l'autre gouvernance, question insécurité. Question bicéphale et question réforme ensemble des bagages ça et n'a pas discuté dans rencontre nous venons participer. Si ça vient professeur Charles Tadi quoi dirigeant CARICOM yo gain intérêt pour aider Haïti sorti dans crise liée journée jodi hein dans ces raisons ça qui fait yo prend initiative ça en côté Charles Tadi pour plus de détails. Dans 4/21 décembre là, il y a un paquet d'activités qui prend en pile trop de temps d'ailleurs pour nous réaliser et nous espérer que si nous ici élargi consensus là encore à la Jamaïque, eh bien, avancer avec plus grande capacité pour que nous résoudre. Bon, je ne veux pas résoudre l'inette, mais au moins pour nous mettre au niveau de sécurité qui est capable de permettre nous, premièrement, rétablir la situation de vie de tous les jours à travers tout le pays. Et dans le cadre de ça, naturellement, la situation sociale, la sécurité, pour que le travail strictement politique capable de continuer. Donc moi-même, c'est dans ce sens-là que nous estimons, moi-même, fait partie d'un groupe qui travaille en pile, qui c'est un des architectes principaux de l'accord 21 décembre, non, et on a continué le travail pour que l'accord-là élargit et que nous prenions le plus d'organisations que possible pour porter le changement qui sont indispensables, notamment question de conseil pour le contrôle du gouvernement, OCAG, organise le contrôle de l'action gouvernementale, un CEP qui est crédible, et ensuite révision constitutionnelle que nous devons faire, hein, et rétablir l'autorité de l'État et la capacité de l'État pour que
li fait ça qu'il gagne pour faire dans société là sur quelle base car il comme ta capable demander ça il capable demander ça vraiment moi même ça que nous dit là gon bagage que font clair que nous constater c'est pas nous même qui mettait premier ministre Ariel Henry c'est pas nous qui mettait Ariel Henry premier ministre et là faut nous constater de manière très humble que il y a pile organisation qui était pensé qu'il était capable de jeter Ariel Henry, il a pas réussi à jeter lui et nous même c'est pas de position. Nous pensons que font travail avec gouvernement qui est au pouvoir là, nous même nous pas goumer pour le pouvoir, n'a goumer pour rétablir situation socio-économique là et pour aller vers les élections qui c'est seul instrument qui est capable bailler un gouvernement démocratique, un gouvernement qui réponde à la volonté populaire nationale. Là, nous prions en transition de force. Seule façon pour nous sortir de la transition, hein, c'est pas non l'autre transition. C'est simplement préparer les élections dans les meilleurs délais avec l'ensemble, la majorité de la population. Mais bien dit la majorité, c'est certes, on ne peut pas besoin l'unanimité, on ne peut pas besoin tout le monde, mais déjà, accord 21 décembre, non, rassembler une large qualité d'organisation politique, socio-économique et économique. Professeur Adil Pakwa, si on carte blanche, Maria Isabelle, responsable Union Haïti, by Ariel Henry, l'a déclaré Nations Unies à pied, accord 21 décembre, non, semaine passée, il y a quelques exigences sur Ariel Henry pour le capable de résoudre sécurité et puis organiser élection. En écoutant une autre fois, Charles Tadji. Pas quoi que son carte blanche que le bail, lui rappeler que justement, il y a un accord 21 décembre non, et il y a un forum 23-24 mai 1 qui rappelait certaines échéances fondamentales que l'a demandé que le premier ministre a appliqué. Et c'est sous ça pour nous fixer. C'est dans ce sens ça. Moi-même, moi comprendre l'intervention de Mme Salvador là. C'est-à-dire Mme Salvador appuyé accord 21 décembre non, qui renouvelait par forum 23-24 mai 1, qui rappelait une série d'exigences. Maintenant, là, plus nous avons une large contribution, une large présence d'organisations politiques, socio-économiques et économiques derrière accord 21 décembre, derrière résolution 23-24 mai 1, et bien, nous voilà capables d'exiger plus de Ariel Henry au niveau de résultats que nous attendons dans mes gouvernements. Ça veut dire notamment changement de gouvernement. Nous clair que nous parlons gouvernement ça là. Nous clair que gouvernement ça a échoué. Bon, l'échoué, c'est pas Ariel Henry seul, c'est gouvernement et Napton et nous pour le travail avec ACTA et avec Ariel Henry pour un changement notoire au niveau du gouvernement. Ensuite, pour mise en place d'un conseil électoral qui compétent, qui libre, indépendant. Ou ba nous de bonnes élections. Voilà. Ça me pas capable pour nous, mais moi capable dire que nous-mêmes n'a travaillé avec monde que qui dans position de contrôle et que malheureusement nous pas gagné moyen pour que nous remplacer. Donc nous très réaliste dans ce sens ça et me pas croire que pour le moment il y a aucune force politique ou autre qui capable renverser Ariel Henry. Donc, nous-mêmes, nous faisons choix pour que nous travaillions à recherche de changement. Et le changement principal, c'est l'amélioration des conditions sécuritaires pour pouvoir aller aux élections le plus rapidement que possible. Mais amélioration des conditions sécuritaires, ça veut dire tout. Bail population moyen pour que soient capables de vaquer à l'occupation économique, sociale, santé et scolaire. On ne peut pas oublier l'impact terrible que la question de la sécurité a posé sur l'école haïtienne, sur la santé, sur le fonctionnement de l'hôpital avec tout centre de santé, etc. Pensez que ça, c'est la priorité des priorités, rétablissement d'un niveau de sécurité qui acceptable et que le peuple haïtien a demandé. Une responsable parti politique RDNP a dit pas d'importance à une rencontre qu'a faite en Jamaïque là sur une initiative pour permettre acteurs politiques rassemblés pour acteurs économiques au dehors. Il dit appuyer carré barré opposition présidente HCT1 qui était décliné invitation CARICOM
toute rencontre qui doit faire pour résoudre la crise qui gagne en Haïti, si en Haïti pour le faire, d'après Charles Ardouin, en côté déclaration. Pour moi-même, rencontre ça, moi personnellement, m'pas espérer gros bagay. Parce que si rencontre ça a fait, c'est seulement pour mon parti politique réunis ensemble. Un parti politique, ça, si vous venez, vous rencontre, je dis, mais qui vient pour le gouvernement à monter. Mais force vraiment dans le pays, qui est structuré le pays, qui cadre le pays, c'est force économique là. La force économique là, c'est bon monde, c'est force oligarque là. Mais bon monde, ça, yo. Si vous pas d'accord, si vous venez faire là, vous ça, à qui force vous même à venir? Ou pas de force l'armée pas, ou pas de force police pas, qui t'a dépassé force pas, yo. Et bien, ça peut même pas quoi. Et rencontre ça a abouti à rien et ensuite tout à ici pas jamais entendu depuis quelques temps depuis longtemps nous pas jamais entendu vraiment pour nous faire un front commun donc on pensait que c'est un bon type de rencontre ça qu'a fait là sont l'autre sont rencontre en plus qui pas bail gros gros satisfaction c'est ça et ça me pensait dommage c'est ça me pensait ou pas c'est ma BRDN premier mais c'est pas pour être d'accord avec président ACTA qui prend décision ça parce que les font réunion des font rencontre des invités autour pas de venir et qu'on y a pour lui même pour le participer côté tout le monde ça participer donc à venir c'est comme si t'as pour une tête plus mais c'est une bonne position pas maintenant c'est pas une des propositions depuis bien avant on était pensé le conseil depuis bien avant que madame Mirland Maniga te prend décision par là il était prêt depuis avant donc on y a le cas conforté non décision le prend donc nous cafin sur le même sur la même route sur le même chemin même dès qu'on prend décision ça bien et décision bien avant en tant que citoyen dépenser le conseil déjà donc on pensait que réunion ça avec fait là depuis longtemps a fait depuis ces pays étrangers qui réunit nous. Il n'y a pas de chance pour l'aboutir à une entente, même si pays étrangers qui a fait pression sur nous, mais en définitive, c'est nous qui pouvons diriger. Pour faire compromis, vrai, il faut faire compromis pour l'autre parti politique, l'autre membre de la société Maghreb et Montana, l'autre groupe d'intérêt qui a venu participer là-dedans. Donc, si tu as un compromis, fait vrai, où tout le monde a mis ensemble, peut-être que le ça, nous avons fait que l'autre jamais. Pour faire compromis, il faut répartir du pouvoir. Nécessairement, il faut répartir du pouvoir. Est-ce que les gens qui entourent Ariel, ils sont prêts pour faire le partage du pouvoir? Parce que quand monde et Ariel ont envie de faire compromis, oui, parfois. Mais quand pile en monde qui entourent, ils pas d'accord du tout. Ils ont qu'un Ariel là, pour Ariel, il ne faut aucun compromis, parce qu'il n'y a pas du pouvoir. Parce que le pouvoir aussi, il y a un pile avantage. Donc tout le monde sait profiter des avantages. Et bon, Haïti, c'est un genre consalié. C'est la transition sur transition. Eh bien, le monde sait, il n'y a pas profiter davantage. Donc, le peuple n'a pas besoin de rien. Non, et j'ai un dirigé. Donc, Ariel n'a pas qu'à faire compromis. Et même s'il est dans le fait, mais entourage, il va peut-être faire compromis facile. De l'autre côté, Dr. Charles Ardouin croit que les Nations Unies ont renouvelé si pour n'importe monde, n'importe leader qui était sous pouvoir, même j'ai fait ça pour Ariel Henry, l'important pour l'équipe de facto à travailler pour changer d'audio, parce que d'après lui, c'est zéro barré dans quatre réalisations pouvoir depuis presque deux années. Bon, il dit une force robuste, ouais, il va même dire mot vraiment. Une force qui est robuste, c'est nécessairement ça par occupation. Parce qu'une force qui doit venir, il y a des hommes armés, des femmes armées, mais ça n'est pas nécessairement une force d'occupation dans le sens de relations internationales. Il ne va pas comme ça. Mais ça, comme t'as préféré, en tant que nationaliste, en tant que monde, qui t'a remis le pays à marcher. Donc, on force, il t'a robuste, mais ça veut dire, banon, bon âme. Mais pour la police nationale, au même titre que Mounsaïk Vinia, et au même titre, le cas et quadriller le pays à faire des stratégies, des tactiques pour endiguer. Force de Mazal qui empêchait le monde et qui empêchait la libre circulation des biens et des personnes. Bon, nous connaissons vraiment sur le plan du bilan et depuis bien avant, et monde qui au pouvoir, pas pour bagay. Et il était dit, je ne suis pas capable, je suis capable, mais quand il y a eu au pouvoir, même pas, je suis capable. Donc, j'avais dit, sur le plan résultat, et pas rien qui baille. Mais si ton l'autre groupe, tout, est-ce que l'autre groupe a travaillé? Parce que vu la structure qui gagne un pays, ça, il est difficile pour mon bail. Eh bien, Nations Unies a vu Ariel. Moi, c'est pour faire même calcul là-dessus. Pensez, quel que soit l'autre groupe qui est au pouvoir, il peut travailler plus qu'Ariel. Eh bien, il a quitté Ariel là avec mon Nio, qui pour diriger le pays jusqu'à ce que je vienne au compromis, peut-être tout à l'heure, 5 ans, mettre ensemble vraiment, et puis pour nous faire payer à marcher, parce que Saint-Domingue arrive quand même à un minimum, et l'autre pays, Jamaïque, arrive quand même à un minimum, malgré toute divergence qui est dans la société, malgré toute force
que toute force d'intérêt divergent qui vient dans le pays, il y a eu mettre tête ensemble quand même pour faire pays à marcher, pour faire pays à fonctionner. Eh bien, nous n'avons qu'à faire ça tout. Eh bien, je pensais que il y a reconnaître Ariel, mais Ariel Kounia, de reconnaissance ça, c'est pour bagarrer la vie. Pour lui-même, pour lui faire lui au bénéfice de la population. Zéro barrière, pour qu'on ait tiré zéro barrière, ou un 24, 5, 6. Une échelle qui va dire ça. Faut Ariel qui a inversé autre bagaille. Mais si pas gain ça, et bien voilà, nous pas besoin de monopouvoir. C'est un pouvoir pour rien. C'est quitter pouvoir avec Kounia, c'est ça quoi. En pile zone, c'est que dans le cap dirigeant. Parce que le pouvoir ne donne rien. Le pouvoir n'est pas fait population jouer en rien pour lui. Donc, avait dit, faut qu'on y a fort Ariel, à l'école 2, toi tape pour l'ouest, s'il a inversé l'ordre des choses, il sera présent à cette église-là. Moun qui l'a, faut l'ouest, c'est la fond bagaille passée. Vraiment, nous avons dit, bagaille négatif. Parce que nous avons 4 années. Nous avons 4 années de croissance économique négative. Donc, avait dit, pays ça, c'est non, créer de pauvreté, nous avons créer de richesse. Donc, avait dit, faut vraiment, mon gros pouvoir, dirigeons l'audience, puis éviter le cancer, gangrène, la corruption. Directeur exécutif, Sainte Caille l'évêque, là, quoi, c'est une façon pour mettre plus de division dans le acte cap chercher résoudre la crise payant. Mais Gardi Maisonneuve, dit li pas bail aucune importance à ce sommet, ça qu'a fait dans le pays Jamaïque. Coordonnateur national, parti politique, nous, là, Renan Armstrong, déclaré, Maria Isabelle, aller dans la même direction. Ak à Hélène Lalim qui était avant lui rencontre Kay comme n'a pas porté aucun résultat d'après leader politique là qui dénonçait yon parti dans communauté internationale là qui pa vle crise la résoudre en dans pays. On côté déclaration Renan Armstrong Charlot pour plus de détails. Position représentante de l'ONU, madame Salvador, y aller en droite ligne avec tradition binu parce que nous on est prédécesseur bien madame Lalim dit déjà et que lui-même, les supporter, les là pour supporter le gouvernement. Et madame Salvador, lui-même, il est dans la même logique là. Il est dans la même logique là de supporter le gouvernement. Gouvernement Ariel Henry a dans toute dérive. Il faut que nous rappeler pour la population que madame et Lalim, qui s'est prédécesseur madame Salvador, lorsque c'est lui-même pour qui nous, qui était nommé Ariel Henry avec un truc. Donc, son bagage qui est normal et que population, pas quoi population, va sentir offusqué. Parce que représentant des Nations Unies en Haïti, lui dit un bagage comme ça. Et il faut que nous rappelions tout. C'est même représentant de l'ONU et madame Lalim que madame Salvador vient remplacer là, qui te dit et que problème sécurité a, qui gagne l'air que lui-même lui te suggéré pour te former gang G9 là. Et je vais dire que depuis que j'ai de la former, il y a moins de problèmes de sécurité dans le pays. Donc, ça, son position qui allait en droite ligne à la tradition, à position que vous gagnez pour continuer à écraser le pays. Et une fois de plus, nous croyons que c'est extrêmement important pour que les peuples haïtiens, il tenait compte de situation ça pour qu'on ait dans quelle direction et que lui-même il y aller pour être capable de une vraie libération. Nous, ouais, tant pour communauté internationale là, continuer dans l'incohérence. Incohérence qui côté, par exemple, et n'a pas rappelé nous en 2004 position que CARICOM n'est par rapport à après et kidnapping président Jean-Bertrand Aristide et que CARICOM était exclu et Haïti dans le cadre d'organisation ça qui fait des CARICOM parce que je te dis c'est un gouvernement inconstitutionnel et qui illégal qui était dans tête pays. Mais je dis, nous, ouais, CARICOM, l'inscrit dans la même ligne, toute communauté internationale là, côté que, il y a prêté avec un gouvernement illégal, qui est inconstitutionnel et qui son gouvernement qui montre toute faiblesse libre pour capable de porter des solutions avec ensemble de problèmes pays, hein, mais malheureusement, et que CARICOM continue à soutenir et à traiter avec comme ça. Donc ça, c'est incohérence que nous avons gardé au niveau de questions CARICOM. Ça, c'est une. Mais deuxièmement, nous croyons que pas gagner aucune solution qui est capable de arriver.
trouver à partir de Mounsayo qui peut aller discuter et Jamaïque. Dirigeant parti politique solide l'encourage à rencontrer dirigeant qui est comme organisé dans le pays Jamaïque. Walson Sanon dit que ce n'est pas parce que lui croit une solution qui a besoin, mais c'est parce que lui connaît grâce avec acteur qu'il a eu capable une solution qui joue dans l'idée pour résoudre la crise. Là, en côté Walson Sanon. Moi-même, personnellement, entité parmi eux qui c'est solide et Remaïti allié et en force spécifiquement, et nous bon on vient que nous garder question ça. C'est pas parce que nous croyons que Gomagay qui pral sorti dans rencontre Jamaïque là. Mon talent capable d'accoucher une souris. Mais ce qui est important, c'est que nous-mêmes, nous te supporter l'idée rencontre parce que l'aime garder profil et quantité de monde qui a participé dans la rencontre ça, nous croyons que c'était une rencontre qui t'a peut-être réuni ensemble des acteurs majeurs dans la société civile là, la classe politique là, qui t'a permettre que nous arrivions à nous en tête minimale pour nous être capables de sortir côté nous y est là. Donc, comme étant donné, tout naturellement, nous fait déjà longtemps, depuis près de 2 à 3 ans, n'a dit un seul bagaille, nous-mêmes nous croyons que bon seul champ pour nous sortir côté nous y est là, c'est une minimum d'entente pour nous joindre entre nous, entre les acteurs et entre nos masses critiques ou bien sans décadir de la classe politique. Nous pensons que ce serait une opportunité. Mais par contre, opportunité ça a tout et possible dans le cas où pas des souhaits coubac à la danse. Nous devons comprendre et en général, les gains de démarches de ce genre ou senti que gen influence un groupe par rapport à un autre, chaque monde gen propre agenda pa yo. Malheureusement, pays n'est pas toujours au centre des débats. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous exhorter. À Tekaleo, nous gagnons et sénateur Evaluer Beauplan qui allait dans nos solides et qui s'est représenté nous. Mais moi, encourager à ce que décision qu'on prend yo et prenne vie que nous pas supporter yo, c'est prenne vie qui vise à résoudre le problème, à adresser le problème 85-90% et peuple haïtien qui est en situation de misère, en situation d'insécurité. Et tout ça qui visait à permettre que nous voyons un véritable consensus pour nous sortir côté nous là, nous supporter. Mais tout ça qui visait à forcer un petit groupe par rapport à un autre groupe, nous-mêmes ne pas participer. Nous ne pas participer là-dedans, mais nous ne pas cautionner. Donc c'est là notre compréhension de rencontre de mer. Donc, moi, pas penser et Ariel après ou bien le pas prêt, mais ça qui est important, une rencontre de ce genre, lui t'a doué porter 2 résultats. Ou bien, à partir d'une bonne volonté, Ariel, nous venons un véritable consensus pour nous sortir côté nous là. Ou bien tout, à côté de refus Ariel, nous venons un entente entre une masse critique en la société, capable de venir vous dire, présenter en face à Ariel une véritable alternative pour retirer le pays en côté de là. C'est 2 résultats, ça, moi-même, que moi, t'as souhaité. Leader solide dans Walson Sano dénoncé déclaration Maria Isabelle qui portait soutien Ariel Henry malgré bilan en chef gouvernement, c'est 0. Leader politique n'a quoi, c'est parce que pas une élite dans le pays d'Haïti qui la cause Maria Isabelle qui a parlé comme ça. Si vous ne vous dites Ariel là, c'est Bini, c'est communauté internationale là, c'est ambassade des États-Unis. Donc, et si vous ne vous dites tout, Ariel pas en situation pour faire des ouvertures, pour permettre que nous joignions un tête que nous avons cherché dans la société, c'est toujours entité ça qui cause. Parce que, eux-mêmes, ils ont considéré être comme de proconsuls en Haïti. Haïti sont savants. Et comme de fait, nous comportons-nous comme de monde qui n'a pas gagné comme attachement à pays. Comme de monde qui n'a pas aucune fierté, qui n'a pas aucun souci pour sacrifice. Les ancêtres nous ont fait pour nous sauter ça au prix du sang. Donc, qui fait que nous sommes à l'aise. Parce que pas aucun autre pays qui gagne une élite. Quelle est l'élite intellectuelle, quelle est l'élite politique qui a accepté de proconsul, de ses représentants, quelles sont les Nations Unies, quelles sont les États-Unis, quel que soit le pays que l'on a, n'a pas décidé, vous ne vous dire, à partir de réflexion, à partir de capricieux, de intérêt entre X ou Y, et puis pour faire servir comme position pour imposer le peuple haïtien. C'est grave. Donc, nous-mêmes, Bamdou, et c'était même pas là pour Madame Laline, qui fait tout le dégât qu'on a fait. Et puis, dans les yeux, nous toutes, la presse, et société civile, élite politique, tout le monde croise le bras. Donc, maintenant,
Madame n'a jeune savant non et puis l'a continué. Donc malheureusement, nous pas gain personne, nous pas gain groupe monde qui pour taper le sous-domain, qui pour dire que en fait question Ariel journée aujourd'hui, hein, faut nous connaître qui côté Ariel sorti. Moi même pas gain problème personnel avec Ariel. Mais faut nous d'accord, on a sacrifié un président, président nous parce que même là nous pas d'accord avec Jovenel. Mais c'était le président d'Haïti. Donc le nègre sacrifié, le gien au sacrifié là, demain matin, moi qui président, demain matin, ou même au cap. Il a fait nous exactement même bagaille là, à 1000%, parce que vous n'avez pas de gens sur le bagaille qui est clair, qui ça a réel bail comme résultat. Rien, sinon qu'on un petit groupe monde, ses amis, famille, c'est à cause de ton homme qui t'a investi ton l'argent qui prend pouvoir, et puis vous n'avez pas de gérer pouvoir selon caprice li. Et en termes de résultats, c'est zéro. Police nationale, là, dit tourner une compagnie privée au service de Ariel et ses alliés à l'intérieur de pouvoir. Peuple n'a pas gagné rien en termes de support. Donc, ou pas qu'à mander, vous n'avez pas de dire, madame, ça n'a pas honte, pour sans une approche critique, pour yon bail support à 100% à Ariel. Oui, c'est normal, parce que c'est un vieux. C'est pour l'un, la continue de travailler. Ok, on continue de faire comme ça. Mais, moi, toujours dire, Haïti n'est pas une terre comme ça. L'autre dossier dans le journal, la Zami Eternaute, j'en ai annoncé ça dans le titre journal, là, hier 12 juin 2023, fait 28 l'année depuis PNH l'a créé grâce avec loi 29 novembre 1994 qui parlait de création, organisation et fonctionnement PNH dans l'idée pour protéger la vie avec bien citoyen. Yo. Depuis 28 l'année, PNH a continué à remplir mission qui s'est assuré protection et respect liberté moun vie ak bien yo, garantie sûreté institution l'état yo, mettez l'ordre, la paix, sécurité et tranquillité et puis public. Cependant, la police nationale là, pendant la dernière année s'est retrouvée face à une réalité exceptionnelle qu'il y a avec un phénomène grand banditisme dans le pays. Pour faire face, l'adapter dans l'idée pour lutter contre gang armé yo qui a opéré à travers plusieurs zones pays notamment dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Malgré tout moyen limité, institution policière mené bataille contre guérilla urbaine qui orchestrée par nègre à gros âmes. L'arrivé dans la tête à PNH le 21 octobre 2021 dans un contexte d'insécurité difficile, commandant chef PNH, M. Franz Elbe, accompagné membre au commandement, te mette tout en œuvre dans l'idée pour redynamiser l'institution. Formation continue pour cadre supérieur à agent police là, dotation matérielle et équipement, renforcement capacité intervention unité spécialisée, c'est quelques priorités administration DG France LB1 qui permettent pour capable poursuivre lutte sans relâche contre grand banditisme sous toute forme. Dans aventure ça non seulement unité temporaire anti gang qui mettait sous pied une section Angelou est également créée. L'important pour souligner pour le moment, Capio mettait sous gang 5 secondes qui a opéré dans le village de Dieu, notre sud de la capitale. Dans l'idée pour traquer puis arrêter chef gang Sayo et si acolytio. Gagne la police nationale et qui a stoppé un présumé bandit Paté Chaud ainsi connu, un présumé bandit mortellement blessé par la police dans Bourdon, une localité commune Chambellan, week-end passé pendant une opération musclée. Agent force mené une opération dans l'idée pour traquer bandits qui a opéré dans Chambellan, dans Dame Marie, notamment dans zone Julie ak Montagnac. Depuis quelque temps, malfrats sa yo te mette ou d'accord pour commettre viol, vol et kidnapping. Yo déjà versé en pile sang dans localité précité yo. N'a noté plusieurs parmi présumés gangs sa yo qui a opéré depuis de l'année, soit yo mouri par la police ou bien mob dans population raché yo. Gen organisation Nations Unies pour éducation, science et culture qui annonce yon soutien financier by village artistique Noy. C'est yon support plus passer $200,000 pour soutenir artisan yo. Comité intergouvernemental sauvegarde patrimoine culturel immatériel approuvé yon demande assistance urgence en faveur pays d'Haïti. $280,000 États-Unis accordé pour sauvegarder tradition faire découper yo d'après sa UNESCO annoncé sous compte Twitter. Il y a quelques mois de cela, l'initiative ambassade Espagne en Haïti, une fois qui était organisée en signe de solidarité by artisan yo. Village artistique Noy était victime d'attaque négative qui était fait en pile monde victime avec dégâts matériels considérables qui étaient enregistrés.
Dirigeant différent paquet 18 juridiction pays a annoncé yo levé grève illimitée au tenancé et par que ti au tenancé qui était pour te réclamer puis bon conditions de travail yo te menacé récidiver si revendication yo pas prend en compte. C'est pas première fois par que ti yo a fait pression sur autorité yo dans perspective pour permettre avec mambio pour travail dans puis bon conditions. Depuis président Jovenel Moïse là, yo pas jamais quitté campé avec grève pour capable rappeler avec responsable dans ministère justice et sécurité publique engagement yo plus passé 3 années après lutte là à poursuivre. Longtemps ça depuis par que tu a poursuivre combat permanent, rien pas jamais changé ou presque. Malgré tout ça, yo décidé pour une énième fois mettre fin momentanément à récent mouvement grève qui était duré 4 mois environ. Entre autres, raison qui expliquer option ça, c'est facilitation liquidation dossier pénal qui en cours tenu à 6 criminels à audience correctionnelle par que tu entends retourner avec grève là si revendication pas prend en compte grève là capable redémarrer à partir 1er août 2023 d'après information yo. Nous parlons dans Akaye, plusieurs dizaines de citoyens qui vivent dans la ville Akaye avec diverses sections communales victimes. Zach Escroquerie Fondation Menayem Pierre Cadet qui prend 1000 jusqu'à 2000 dollars américains en main. Divers membres dans le cadre d'un programme pour y aller là ici. Président Fondation te fait qu'on est affilié avec Fondation Vladimir Poutine, qui est actuel chef de l'État pays la Russie. Plusieurs dizaines de monde qui vivent dans la ville Akaye et dans diverses sections communales, victimes et escroqueries en bas de la Fondation Nemaem Pierre Cadet. Fondation ça prend 1000 jusqu'à 2000 dollars américains dans chaque membre pour y voyager à l'an pays la Russie comme ambassadeur Fondation. Nemaem Pierre Cadet. Directeur départemental police Niplan Axel Selmon intervention en occasion 28e anniversaire police nationale là fait qu'on est police a traversé un moment difficile en pile mais malgré ça il a continué de travailler pour bailler population service. Axel Selmon est dans micro correspondant nous en Claude Clercin depuis Miagwa. Ils ont fait le déplacement. Aujourd'hui l'heure n'est plus à la fête. Mais en dépit de tout la police ne saurait en aucun cas passer sous silence ce jour qui marque un tournant décisif à l'institution policière. Nous disons merci une fois de plus à tous ceux et toutes celles qui ont venu nous assister, à la société civile de Miragouane, à la presse parlée, écrite et télévisée, à chacun de nous ici présents. Un grand merci à la santé au niveau de Miragouane, comme jadis, à tous ceux et celles encore qui ont venu pour célébrer avec nous. Dans le moment que nous avons traversé là aujourd'hui, nous connaissons un moment qui est très difficile pour la police nationale d'Haïti. Mais malgré vents et marées, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons continué du bec et des ongles avec les faibles moyens que nous gagnons pour nous frapper debout à côté de la population pour la sécurité capable de blâmer. Nous disons justice Miragouane, commissaire, yo, juge, yo. Nous disons merci pour l'assistance et pour l'appui. Yo. Yo toujours ban nous notre travail. Nous n'avons pas dormi, même j'ai avec nous. Quel que soit l'heure, nous toujours dans la rue, même j'ai un policier yo, pour faire patrouille, pour courir des bandits. Et c'est ça qui permet à la population de confiance dans nous. Encore, messieurs les commissaires, messieurs les juges, moi dis non merci dans la police nationale d'Haïti. Nous voulons faire tout le monde connaître. La police là, en tant qu'institution apolitique, mission c'est protéger et servir. La police nationale là, c'est pour nous qu'elle y est. Sans nous-mêmes, sans population, nous pas exister. Et nous n'avons pas de place dans nous. C'est grâce à nous-mêmes, si la police a vive, si la police a compté année en année, c'est par rapport avec contribution. Nous.
Nous disons chaque monde qui te voye un mot d'encouragement pour nous. Tout le monde qui te bat un coup de fil. Tout le monde qui accompagne nous d'une manière ou d'une autre. Encore merci. Nous demandons à la population pour le rester soudé avec nous. Nous avons un bon genre d'information pour nous capables de travailler, pour nous capables de mettre les bandits hors d'état de nuire. Je dis à 28 ans, pas 28 jours, ni 29 mois, ni 28 mois, mais je dis à faire nous 28 ans, ça veut dire la police là commence grand monde. Mais grand monde, il y a des monde qui est devancé. Et c'est le conseil de la police pour nous capables de faire une police qui est qui disponible à tout moment de la durée en dépit de tout. Nous profitons de ce moment, comme nous avons fait déjà pour nous saluer, départ tout frère nous qui partit pour l'au-delà et nous croyons, bon Dieu, après ce voyage dans des mers éternelles. Encore merci, bonne journée et bonne fête à tous les policiers et à la population du département d'Ennet. Commissaire gouvernement Miragonage Ernest Muscadet qui t'a participé dans la célébration fait qu'on est ligué en parfaite collaboration avec lui-même avec la police. Commissaire a souhaité à Monis à continuer dans le département dans souci pour être capable de bailler population puis mon service. Commissaire Jean Ernest Muscadet était dans le micro Henri Claude Tersin depuis Miragouane en coup. La police générale nous avons une étape de collaboration. Pas que la police nationale, la NIP, nous avons une étape de collaboration. Commissaire Muscadet avec le directeur de la police NIP, nous avons une étape de collaboration. Donc Muscadet sont allés sur pour tous les policiers dans le département, sont allés sur pour l'institution policière en général. Donc nous avons campé avec eux, nous avons sécurisé eux, nous avons campé à côté, nous avons protégé eux, nous avons toujours participé dans notre coopération. Et après, pour nous délivrer le pays, pour nous espérer que la police tombe, bon, c'est bien malheureux. Et quand même, nous avons pas le courage, nous avons besoin de police par le courage, mais sauf que nous avons continué la bataille pour que la police tombe au Parlement encore. À qui sont-ils noirs? Nous avons avec eux, je vous dis à faire 28 ans, même si le samedi de Timoun, à cette époque, la police a été créée, mais quand même, c'est un plaisir pour moi avec eux, pour nous fêter avec eux. Et ma petite roue là avec eux, tout le monde qui a fêté, tout le monde qui est là comme policier, qui travaille avec la sécurité du pays. Comment est-ce que la sécurité qui taille? La sécurité qui taille a fait bandit, voler, négazam, pas que ça même. Affecté sur les gars, les gars qui ont fait des gars, les gars qui ont fait des gars, les gars qui ont fait la police là, nous travaillons deux concerts, deux trois heures du matin, nous dans la rue, nous avons checké les vagabonds, nous avons checké les intrigués. Nous avons des gens qui travaillent, nous avons SDP qui travaillent, nous avons des policiers qui sont là, 24 sur 24, qui ont checké dans la rue. Moi-même, moi là tout, comme commissaire gouvernement, moi accompagne pour que nous renforcions la sécurité dans la ville là. Et la première sécurité à taille, tout le monde qui est comme commissaire gouvernement. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un peu de temps. 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 Vous avez fait comme citoyen, comme si tout ça derrière. Mais mon cher, moi, mon opinion, c'est que nous avons des gros problèmes. Et nous avons des problèmes constitutionnels. À chaque fois, moment arrivé pour nous appliquer la constitution, l'homme est répété. Depuis que nous avons Alexis, ça a commencé jusqu'à ce qu'on y a là. Puis, gros problème qui est gagné dans la fin de constitution, c'est ma gloire pour ma gloire, 57, il va. 1956, il ne va pas aller. Tout le monde ne va pas aller. Tout le monde. L'autre jour, là, Jovenel, bien qu'il ait admis que le patabre allait aller, c'est en 2022. C'est en année, ça, mais ça a fini. Il a massacré monsieur. Peut-être, monsieur dit, qu'il était élu pour 5 ans, il faut le faire 5 ans. Et il a tellement de besoin de pouvoir. L'autre pays, chaque dimanche, manifestation, bon, jusqu'à ce que nous avons mettre la tête, nous avons tué. Moi-même, je crois que l'opinion sur le combat de la Constitution, c'est que nous mal pays à ces constitutions. La Constitution n'est pas bon parce que nous ne pouvons pas appliquer, nous ne pouvons pas appliquer. Tout le monde, M. le Président, si par la faveur, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord si par la faveur.
Il n'y a pas d'élection de fait, la protester parce que le monde qui est deuxième n'a pas l'appuyer les premiers. Ouais, ça fait mal en plus. Constitution, c'est vrai, c'est mettre d'orval. Tout là, c'est mettre d'orval. Et d'après ça dit, il a fait constitution. Pour moi-même, il a bien des beaux amis. Il a mis l'âme à la vie de la constitution. Il était partisan pour l'autre constitution. Moi-même, tout, j'ai partisan pour l'autre constitution. Même à ce pile, ouais, pas de mettre d'orval. Moi-même, c'est un système politique qui devait être. L'ordre de notre système, on va là. C'est-à-dire, c'est ça qui a passé pour nous. Dans notre système, le système nous est connu là, c'est le système présidentiel. Président, ministre, parlement, moi-même, notre système. Après ça, bien, on parlement, pour moi-même, les loyers m'ont fait, c'est on parlement avec sans sénateur, député seulement. Yon. Pour gouvernement. Non, pas sénateur, pas bien sénateur. Non, pour j'aime là, pas envisager sénateur, pas envisager député seulement. Ou chambre, c'est député. C'est lui qui remplace sénateur habituellement depuis nous là. Depuis le pays a existé, on a fait le Sénat de la République. La chambre des députés. Même ça, me dit, hein, c'est le gouvernement qui sera assuré par le premier ministre, qui est chef du gouvernement. Ensuite, problème encore qui crase le gouvernement, c'est l'argent, c'est le petit tir en fait, le premier ministre là, pour passer devant le parlement, pour pas présenter la politique générale, pour lui, pour faire péter, pour faire jusqu'à ce que. C'est l'endu de nous finir par les politiques générales. Et puis nous, comme Premier ministre, nous avons qui a couché par ces arrières et tout ça, tout le monde. Avec le Premier la Premier ministre qui a fait campagne. Et puis, la campagne, la vice-premier ministre pour pas faire du jeu, le parti président, le parti Premier ministre, la fait campagne à vice-premier ministre. Et puis bon, les gars bon comme vice-premier ministre. La même mandat à premier ministre. Pour le gouvernement, moi-même, mon problème encore pas. Pour dire que je n'ai pas résolu, ça fait du bail comme, ça fait du bail capacité pour mon ministre. La position qui a besoin de pouvoir pour satisfaire tête d'abord, poche avec tes amis. Comment est le phénomène Bouakalea là? Le phénomène Bouakalea, c'est. C'est le plus gros phénomène après des choucages. Le phénomène Bouakalea, c'est le plus gros phénomène après le massacre des Français. Le phénomène Bouakalea, c'est le phénomène qui a libéré Haïti. Je ne pas dire bien fait, puisque c'est innocent, qui a payé pour coupable. Mais depuis que nous parlons, il faut s'en mêler. Le phénomène Bouakalea, il n'est pas arrivé à 40 000 personnes. Grand pile de personnes pour arriver. Pour nous, l'importance du phénomène Bouakalea. C'est le phénomène Bouakalea qui a fait Haïti pas sous protectorat. Même si son protectorat voilé, c'est le phénomène Bouakalea qui a pour entrer tout côté, il doit rentrer pour Haïti, Haïti. Parce qu'il y a espoir toujours. Tant que nous l'avons espoir toujours. Pas occupé politicien qui a parlé. Tout a passé. Pas un politicien dans le monde qui a parlé là. Qui a fait campagne pour demander au peuple à vous voter. Donc Bouakalea, c'est lui qui vous mettez fin à Gagnon. Bouakalea, c'est lui qui vous mettez fin à tout nèg qui compte la population. Bouakalea, c'est lui qui vous mettez l'ordre dans tout nèg qui est en opposition. Bouakalea, c'est lui qui vous mettez l'ordre. Quitte dans l'ancien président, ou bien tout nèg qui a appelé à être président dans de mauvaises conditions dans le pays. Donc Bouakalea, il est nécessaire. Et les suffisants pour nous mettre Haïti sur rail pour vrai. Il y a une coalition dans la Tibonite, qui a pour mettre contre base de Gangrivio. En pile parole, parler de coalition de base de Gangrivio. Vous pensez un jour, il y a mis deux bases de Gangrivio la terre? Je suppose que nous avons fait ça déjà. Je suppose que nous avons fait ça déjà, c'est parce que nous n'avons pas gagné aide. Qui aide? Aide grand, n'est pas de gros entrepreneurs. Bonjour, c'est entrepreneur.
bien en danger. C'est ou bien ou investi dans le groupe qui a détruit le monde pour boire la protection, ou bien ou investi dans le groupe qui oppose et qui a mis l'autre là. Mon papa rien. Et puis la police est née. La police nous connaît. Hein? Côté que 6 policiers à peine sont morts là. Et puis au lieu que nous avons accompagné la coalition, c'est dans l'immigration de descendre dans le comme. Nous avons oublié toute misère que nous avons passé. Et puis, sous prétexte qu'il y a tant l'ordre. L'ordre qui ça? L'ordre dans qui monde? Dans mes chefs, la police qui a gagné pour compagnie de sécurité là. L'autre qui ça? Non mais Ariel Henry que États-Unis déposé là. L'autre non mais qui est? Nous pas ça arrivé Léon Charles qu'elle voté contre Venezuela et puis qu'on a pas la suite qui vient chef de la police. Nous si t'es dans la mort Jovenel, ou pas retourner encore à l'ONU. Zami internautes, c'est la journal la Kaba la pour là. Un journal qui était vieux possible grâce à Clévé Capé toute équipe sa nouvelle là. Micro-présentation Jean Wilner Sever. Bye bye tout le monde. Bonne journée. Rendez-vous demain pour une autre édition de nouvelles.